présenté par Krolev. Demi-finale de la catégorie 214, Daniel Rasco face à Steven Labbé. Daniel qui est de retour pour un deuxième match. Lui qui a joué un excellent simple de 227. Et un peu mince, qui est numéro 5. Puis parlant des deux rencontres, il semblait surpris d'avoir eu plus de contrôle sur l'allée 8 que la 9. Oui, c'est vrai, la Russie. Pas fait de corps ouvert, mais on fait plus d'abats sur la ville que sur la neuf. Réserve facilement. Récupéré donc. Daniel Rasco qui débute avec une réserve au premier carreau. Et maintenant, c'est un autre bon joueur du salon qui est là-bas. Qui a terminé deuxième dans les qualifications pour la catégorie. Il a échappé sa boule, ouais, mais quand même. Mais ça devrait être bon sur le gauche. Ah, c'est avec un abat sur la 8. Bon début pour Steven Labbé. Qui joue dans la Super League ici le dimanche matin. Vers ça revient rapidement vers la centre et sera la trouée. Même pas catastrophique là, dans cette statue, malgré le... Mais si on s'y au début de rencontre, tout à l'heure de Daniel Rasco. Oui, Daniel qui a quand même mis la barre haute. Qui avait débuté son match précédent également avec une réserve. Ouais. Il était revenu avec très à bord suite. Et supplémentaire. De 6 pour Simon Labbé. Plus loin du côté gauche. Ça va revenir quand même. Oh, le fameux Okorski, on la réserve cette réserve le plus souvent, la fameuse réserve 27. Ok, elle a un nom, c'est la réserve 27. Ouais. En additionnant, c'est la 10, 4. 16 dans le fond plus. 16 plus 11, le numéro des quilles. Ils sont bouchés moins niaiseux. S'il va aller là, chercher deux quilles, donc on va prendre une priorité de deux quilles sur Steven Labbé. Il est très peu. Donc un début de rencontre un petit peu plus lent là, que le match précédent. Donc, du côté gauche sur l'allée 9, ça revient rapidement vers la centre. Ça ne traverse pas suffisamment. 2-4-7 à récupérer pour Daniel Rasco. Pour récupérer les trois quilles. Et c'est dangereux. Et voilà, c'est le danger de faire sa présence. C'est de la couper. C'est exactement ce qui est arrivé. 32. Trop directement sur la quille numéro 2. On ne touche pas les quilles 4 et 7. 32 au troisième carreau pour Daniel Rasco. Stephen Laville qui a 22 deuxième. Quoi s'exécuter pour son troisième carreau. Ça va aller vite. Ça semble encore une fois. Échapper sa boule. C'est sa façon de jouer, peut-être. Les quilles 5 et 8, donc, il demeure en place. Pas toi, Guillaume, est-ce que c'est sa façon de jouer? Oui. Ah, je crois qu'il va arriver du côté gauche, sur la 8, comme pratiquement tous les joueurs sur cette ligne. Mais je parle de la façon qu'il dépose sa boule. Ah, oui, oui, ok. C'est toujours tomber sa boule de haut. Donc, on a l'impression des fois qu'il échappe, mais c'est non, voulu. C'est sa façon de venir. Avec sa question, il a quand même une démarche un peu rapide. Parce qu'il arrive à la. Souvent, si le timing n'est pas parfait entre son bras et sa démarche. Voilà, ça peut c'est là-bas donner, pour Steven Labbé. Il peut occasionner une sortie de boule un peu plus rapide. Dans son jeu, la boule a tendance à frapper un peu plus fort sur le sol. Tiki de priorité pour. Steven au troisième carreau. Très peu. C'est loin du côté gauche. Encore une fois. Autant qu'il avait eu du succès lors de sa première rencontre sur l'allée 8, c'était un petit peu plus difficile. Deux mauvais lancers sur l'allée
Kutuzov, comme on en parlait plus tôt, la comète. Qui 1, 3, 6, 10, 4 et 7. Donc, je dois de... Dans le fond, Guillaume, il y a deux façons. Par contre, mentionnel. Par l'intérieur ou par l'extérieur, sans arriver trop plein sur la grille numéro 1. Là, ça va être justement un peu trop plein. On a vu, lorsque c'est plein comme ça, la boue se brise immédiatement derrière, ouais. Au fond. Il n'y a pas suffisamment de temps de dévier sur les deux quilles qui sont dans le coin. Ça donne malheureusement pour lui un troisième corps ouvert de suite. Là, ça doit se ressaisir. Lancé, oui. C'est et oui, c'est là-bas pour Daniel. 4 et 7 à la toute fin qui cède. Tour de Steven. Il a pas son dernier. Là, ça semble bon, ouais. Ça va traverser. Vers la gauche. Oh là, le vélo. L'effet vélo. Ouais. Vélo. On n'en avait pas vu souvent depuis le début. Mais... On a très bien vu ici la quille numéro 1 qui voulait s'entraîner sur la quille numéro 9. Il s'est mis à rouler sur son caoutchouc pour passer devant la quille. Très bien exécuté pour l'instant. On donne donc 22 quilles de priorité après 4 corps. Ça pourrait se réduire là, parce que Daniel a un abo 5e. C'est une réserve pour Steven. Bon lancé, ça va revenir. Bien au bon endroit. Et là, c'est là. Un pointage de 82 avec un doublé simulationnement 12 kills de retard pour Daniel Resco. Toi, toutefois, apporter une petite correction nécessaire sur le V8 pour arriver trop mince sur la quille. Ça paraît en. Vraiment tête de s'approcher comme ça. Mais là, c'est encore poussé du côté droit, est-ce que ça va revenir? Mais... Oui, il a vraiment voulu apporter la correction. Oui, il voulait se rapprocher du centre, mais. Trop dirigé vers le droit. La boule qui s'est sauvée, il est parti encore plus à droite. Malheureusement, ce sera un quatrième corps ouvert dans ces scores-là. Ben, 3 qui sont ouverts. Je vais chercher le maximum quand même, puis. Compte en double, c'est pour... Sauf que là, ouvre la porte très, très grande. C'est même se doit, Daniel se doit de débuter avec une série d'abord. Avec 4 carreaux à faire, on entame le 7e carreau. Semble bon. Ça va être mince, peut-être un peu, ouais, 5 et 8. On a vu, il a dirigé son lancer vers la droite et en plus avec son prochain lancer, la boule qui a continué de s'en aller vers la droite. Il n'est jamais revenu. Ça donne qui 5 et 8 qui demeure en place. Réserve qui est effectuée. Steven, lui, qui se doit de fermer ses carreaux d'ici à la fin. On va avoir le contrôle du. Bien installé dans ses... Quand même un petit groupe de carreaux, là. Ça se reprend. Il a fermé ses carreaux et faudra faire la victoire. Ça va du côté gauche, ça revient. Oui, allez, j'ai réussi à doubler. Le gagnant de cette rencontre va affronter Daniel Fradette en grande finale. Et la semaine prochaine, on tombe dans la catégorie élite. Une série qui est attendue. Bon lancé. Malheureusement, c'est la quille 9 qui refuse de céder. On a dit que toutes les quilles sont arrivées en même temps sur la 9. Aucune n'a voulu. C'est pas ça. Souvent, ma quille est entourée par 5 quilles. Puis ton... Oui, mais c'est justement. C'est que tu as des quilles qui empêchent d'autres quilles de se venir. Donc, la réserve. C'est ce que Steven a à faire. C'est ce qu'il a besoin de faire. Fermer ses corps sans problème, je n'ai pas la victoire. Donc, je serai seul la semaine prochaine, au moins une rencontre. Que tu je te souhaite d'être là plus qu'une rencontre. Bon, lancé cette fois-ci, mais malheureusement, mais au retour, Tu vas affronter lors du premier match Patrick Mignot. Donc, on a vu dans la série la saison dernière.
on mentionnait un peu plus tôt, les dernières semaines, la catégorie élite renforme, oui, renforme probablement les meilleurs joueurs, même en province. Ah oui, 5 des meilleurs joueurs. En tout cas, à Québec, c'est sûr. Parce que là, en ayant Patrick Mignot qui a déjà été champion à la télé, le champion de la série à TQS. Oui. Toi, tu étais champion de la série à TVA Sports. Et Kevin Barrette qui a réussi la partie parfaite à TQS. Oui. Donc, tu sais, c'est vraiment les gars des habitués de la caméra. On disait, David Vincent, déjà, on portait plusieurs matchs au hockey à la télévision. Mais un excellent joueur de petit gay. Et Dave Deschaines, comme ça. Lui a fait une apparition en TQS. Donc, des habitués des caméras. Oh, il s'est échappé ici, loin à gauche. Quand même, là, oui, mais quand même, Guillaume, moi, mais là, c'est ça. Possibilité de 167 maximum. Fait qu'il y a une réserve ici, il aurait besoin d'un bon compte au 10e carreau. S'il réussit pas sans réserve, Daniel revient avec trois appos. Il va y mettre la pression. Hein? C'est un gauche bon. Encore une fois. Non, c'est raté. Je vais juste sonner un pied. Donc, si Daniel termine en bas. Ouais, ben, là, non, c'est sûr qu'il va terminer avant. Donc, Steven a besoin de 16 au total. Voilà. Donc, ça y prend au moins une marque pour s'assurer de la victoire. C'est pas besoin de 16 en 3 lancers. C'est pas chose faite. Non. Et là, ça se dirige du côté gauche, ça va revenir. Et là, c'est la trouée. Attention. On donne la chance à Daniel. D'ouvrir la porte à Daniel. Et là, ici, les 3 quilles sont importantes car ça va forcer Daniel. Ça doit aller chercher le maximum. Ouais. Parce que ça va forcer Daniel à faire au moins un doublé. Ça permet à Daniel de faire abat 9 et réserve pour les gagner. Mais quand même, on demande à Daniel de faire un abat. Il doit absolument réussir un abat. Absolument besoin d'un abat. Parce que sinon, on aurait un max. Avec un 9 réserve, ça nous donne 145. Donc là, c'est extrêmement important pour Daniel Resco. Ce sera assurément notre plus petit simple gagnant. Bon lancé de Daniel, ça se dirige vers le centre. C'est oui, Daniel qui vient récupérer. Oui. Là, Daniel qui a absolument besoin de 9 quilles sur le premier. 9 réserves. 9 pour l'égalité. 9 quilles, oui, c'est ça exactement. Absolument besoin d'un abat pour la victoire. Avec un abat, ça s'assure la victoire. Oui. 9 et réserve. Et quand on l'a dit, ça pouvait changer très rapidement. Exactement, okay. Parce que si on recule au 7e carreau, ouais. Même au 8e. L'avance semble insurmontable. Au 8e carreau, avec 39 pieds ouais. Derrière. 8e carreau, oui. Oui. Donc, avec seulement 2 carreaux, on pourrait avoir récupéré ouais. 39 pieds. Et ainsi gagner le match. Il va entendre le retour de sa boule. On va demander à un préposé ouais. D'aller chercher, là, vu l'importance okay. Du lancer. Probablement rester accroché en arrière. Ça me laisse le temps devenant une égalité. On aurait un lancé par joueur. Okay. On ne reprend pas le 9e et le 10e carreau, c'est vraiment un lancé. On y va. Un lancé et le meilleur résultat des deux comme l'emporte. Comme des tirs de barrage. Exactement. Un lancé. Oui. Ça, c'est advenant une égalité. Ici, après le premier lancé, les deux joueurs sont toujours à égalité. On fait la même chose. On répète jusqu'à temps qu'il y ait un des deux joueurs. On change d'aller, on répète jusqu'à temps qu'il y ait un des deux joueurs à un pointage supérieur. Ici, lancé très, très, très important. Avec un abo ici, Daniel s'assure la victoire. Ça y prend au moins un pointage de 9. Oh, c'est loin du côté gauche. Est-ce que ça revient pour 9? Et là... Malheureusement pour Daniel, ça, il prend un pointage de 9. Ce sera donc la victoire pour Steven. Qui aurait eu, on voit par sa réaction, aurait eu des sueurs froides. Mais heureusement pour lui qui avait pris une avance. Oui. Ce sera la victoire de justesse avec un pointage de 156 seulement. 156 à 154, donc victoire de Steven Labbé en demi-finale et va affronter Daniel Fradette au retour pour la grande finale. Ouais.